pauvre. Sachez, aidez-nous, on ne peut plus diffuser. Faites passer le message. Qui nous font oublier. Mais ça me revient. Je vois pas ce que vous voulez parler. Pourquoi vous m'appelez? Isaac! Isaac, attention! Ah.
impossible. Vous n'entrerez pas. Si vous croyez, je n'ouvrirai pas. Je me suis fait un monsieur de sécurité. Je l'ai détruit. C'était un monolithe, Isaac. Mais ils en ont construit un autre. Dans cette station? Pourquoi? C'est une technologie alien très puissante. Timeman veut son pouvoir. Allez au tram. Il vous mènera jusqu'au quartier des tours classiques. Taylor? Bon sang. Yeah.
Mais ça vous mènera au secteur résidentiel des Tokusumi. Bon sang! Steinman à votre signal! Bougez-vous! Ok. Vous comptez beaucoup pour eux, Isaac. Tenez bon, je vous recontacte.
Isaac, toujours en vie. On a peu de temps. Il détecte nos signaux. La mémoire vous est-elle revenue? Je me rappelle les bonnes et les mauvaises. Plus je me rappelle, plus j'ai des mots. Je vois toujours les symboles. Vous voyez le symbole, Isaac? Et cet homme, j'arrête pas de voir ça. Fais chier, ils m'ont trouvé. Ancien patient du projet, tout comme vous. L'état d'urgence général est désormais effectif. C'est un psychopathe, en Isaac. Mais si vous dites, il a tué sa femme et son fils. La loi martiale. Tous les citoyens sont priés d'évacuer immédiatement. Les saccageurs seront abattus sans avertissement. Ceci n'est pas un test. Veuillez vous diriger vers les issues les plus proches. Thank you.
Data. Leïla, je croyais me diriger vers les résidences. On dirait un lieu de recrutement unitologue. Je me suis perdu ? Oui. Il y a un vieil accès de maintenance qui vous conduira jusqu'au tour Cassini par le système de tri des ordures. À plus. Pour ensuite les retourner contre eux. Compacteur désactivé. Entrée totalement sécurisée.
Yeah.
géophysicien Michael Altman fit une découverte qui allait changer l'histoire. Effectuant des recherches sur Terre dans le cratère de Chicxulub, il découvrit le don de dieu extraterrestre, le monolithe. Le monolithe lui révéla le secret qui devait unifier l'humanité dans le futur, pour sa gloire. En très grand nombre, les gens voulurent en apprendre plus sur le monolithe et l'unité promise, après que Michael Altman eut fait part de sa découverte. Mais le message d'Altman ne plaisait pas à tout le monde. Et le 15 mars 2215, il fut assassiné et devint ainsi le premier martyr de l'Église. Les fidèles d'Altman le pleurèrent, mais virent la lumière dans son vœu d'unité. Refusant que la vérité soit cachée aux yeux du monde, ils fondèrent l'Église d'unitologie pour la répandre. L'Église est aujourd'hui présente dans toutes les parties de l'univers connu. Son message est aussi puissant aujourd'hui qu'à l'époque de sa révélation par Altman. Les croyants se comptent par milliards dans toutes les classes, sociales ou culturelles, et leurs rangs s'agrandissent toujours. Née d'un petit groupe local de mineurs dévoués, l'Église d'unitologie de Titan s'est développée selon les préceptes fondateurs d'Altman, notre maître à tous. Elle compte l'une des plus belles églises de tout le système solaire et accueille régulièrement nos banquets d'auditions unitologues. Dans l'attente de la convergence, nous devons continuer à nourrir notre relation au monolithe afin de comprendre ce qu'il nous réserve pour le futur. Le monolithe nous appelle. Il est de notre devoir de lui ouvrir notre cœur et notre esprit. C'est Tideman! Ils sont là! Entrez dans l'église, vite! L'église d'unitologie. Pourquoi? C'est l'un des seuls endroits que Tideman ne surveille pas sur Titan. L'église est séparée de l'État. Non, Dana, on ne devrait pas. C'est le dernier endroit où je voudrais aller. Isaac, mon frère s'est sacrifié pour vous sauver. C'est très important. Ça doit marcher. Je suis dans une salle en haut de l'église. Venez là, ok? Bienvenue dans l'église d'unitologie de Titan.